Comment faire face à la hausse des coûts des matériaux et des délais de livraison pour continuer à gérer des chantiers de rénovation? C'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012. Et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté grâce à l'investissement immobilier. Parlons-en de l'immobilier justement, puisque la période qu'on est en train de traverser est compliquée. On va pas se mentir, la guerre, l'inflation, sortie de Covid, les élections, les pénuries de matériaux, les pénuries de composants, etc. Voilà, il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour que les choses se passent pas très bien. Et malheureusement, l'immobilier n'est pas épargné. Et notamment, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est de vous parler des hausses, en tout cas, des hausses des matières premières et donc des matériaux pour les rénovations de vos logements, de vos appartements. Et dans le même temps, qui dit hausse et pénurie, dit délais de livraison qui sont rallongés. Et en fait, j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo parce que je me trouve actuellement dans un appartement sur une réception de chantier. Je sais pas si vous voyez un peu derrière moi, la cuisine, c'est un appartement pareil, qui a été compliqué à rénover parce qu'il y a eu des pénuries, il y a eu des délais et puis les artisans courent sur d'autres chantiers par rapport aussi aux matériaux qui arrivent en premier. Et il a mis du temps à coucher celui-là, mais je suis content d'y être. Là, il est en phase d'ameublement, incessamment sous peu. Je vous ferai une vidéo quand tout sera bien terminé, décoré, voilà, ça sera sympa. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois déjà, on était en cours de chantier. Je vais vous mettre le lien si vous voulez, par ici, si vous voulez retourner la voir. Et donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, puisque comme je suis en réception de chantier et que j'étais en train de regarder les fenêtres en alu qui ont mis 3 mois et demi à arriver, eh bien, je me disais que ce serait un sujet intéressant que de traiter de la pénurie. Alors, comment fait-on? Eh bien les amis, plus que jamais, il est pour moi primordial de bien anticiper vos travaux, c'est-à-dire que vous savez, à partir du moment où vous signez un compromis de vente, que vous avez 3 mois avant l'acte authentique, eh bien, dans la mesure du possible, le maître mot, c'est l'anticipation, à la fois pour les délais et à la fois pour bloquer les tarifs. On est dans une situation dans laquelle les prix des travaux de rénovation ont augmenté de 20 à 30% en un an et demi par rapport à ce qu'on connaissait avant le Covid. C'est-à-dire qu'avant, on disait qu'un rafraîchissement, c'était à peu près 500 euros du mètre carré. Une rénovation, on était entre 750 et 800. Et puis, quand on refaisait tout et qu'on gardait que les murs, on était carrément à 1000. Et en région parisienne, Paris, vous pouvez même augmenter ce budget de facilement 10 à 15%. Et on constate aujourd'hui que les chiffres que je viens de vous donner, voilà, vous pouvez facilement rajouter 20 à 30% pour tomber sur les coûts de rénovation actuels. Donc, c'est énorme. Quand on prend 30% de rénovation sur une grosse rénovation à 1000 euros du mètre carré, on est tout de suite à 1300 euros du mètre carré. Ça change la donne, hein. Rien que sur 10 mètres carrés, ça vous fait 3000 euros supplémentaires dans les travaux. Donc voilà, si vous avez un appartement de 40 mètres carrés, ça fait la bagatelle de 12 000 euros de travaux en plus. Alors comment on fait? Et la grosse problématique, c'est qu'on n'a pas de visibilité là-dessus. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus que jamais, donc il faut anticiper. Et le mieux, deux choses. Un, valider avec votre artisan combien de temps il peut vous bloquer les tarifs. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va avoir un impact. S'il vous dit, moi, le devis, il est valable un mois, et là, il sera gentil parce que généralement, en ce moment, on est plutôt sur 1 à 2 semaines, hein, de validité. Le devis est valable un mois, après, je ne peux plus garantir les tarifs. Bon, vous avez un petit peu de visibilité. Et au plus tôt, vous pourrez valider définitivement le devis avec votre artisan, au plus tôt, il pourra commander les matériaux pour la rénovation. Et donc, vous allez ainsi bloquer les tarifs parce qu'en fait, lui, les prix, c'est au moment de l'achat, c'est au moment où vous signez le devis, il va commander à ce moment-là et ce sont ces prix-là qui vont faire foi. Donc, le plus tôt est le mieux. Et il y a des gens qui m'ont posé la question, comment on fait quand on fait une demande de prêt justement pour présenter ça à la banque. Alors, encore une fois, il faut anticiper. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez acheter un bien immobilier et que vous avez fait vos calculs, allez voir la banque. Dès que vous avez un accord de principe, eh bien, en théorie, à moins d'un gros imprévu, si vous avez la certitude d'obtenir votre prêt immobilier, vous pouvez valider le devis, verser un acompte éventuellement et là c'est bon, à la fois pour votre demande de financement, les prix sont arrêtés et également pour votre artisan pour qu'il puisse commander les matériaux et donc bloquer les prix d'une part et d'autre part que ça vous permette également de pallier à ces délais qui sont de plus en plus longs et qui vont, j'ai envie de vous dire, nécessairement augmenter.
Et si vous n'anticipez pas, parce que c'était déjà vrai avant le Covid, hein, l'anticipation, mais si vous n'anticipez pas, bah, vous allez vous retrouver à signer chez le notaire, et puis votre artisan va vous dire, bah, attends, là j'ai 3, 4, 5 mois de délai si vous devez changer des fenêtres par exemple, les fenêtres en bois, les fenêtres en alu, le bois et l'alu sont les deux matériaux les plus impactés. Mais ça peut être aussi, voilà, moi j'ai plusieurs chantiers de rénovation en cours et je ne vous cache pas qu'il faut jongler. J'ai cet appartement qui a mis du temps à coucher, j'ai un appartement à Bordeaux, pareil, entre les pénuries, à un moment c'est en stock, c'est pas en stock, il faut, enfin voilà, il faut jongler. Et j'ai surtout une villa familiale dans laquelle il y a 150 mètres carrés, on a tout refait du sol au plafond. Là ça a été beaucoup plus compliqué parce que bah justement, il y a un fournisseur qui vous dit oui, c'est en stock sous 5 jours, vous passez la commande. Ah bah non, finalement, en fait, ça sera là dans 3 semaines. Et tout est comme ça. Donc, c'est plus compliqué qu'avant. Alors, est-ce que pour autant, il faut arrêter les chantiers de rénovation? Bah non. Mais ma recommandation, donc vous l'avez compris, l'anticipation et surtout prenez une marge de manœuvre. C'est-à-dire que plus que jamais, 10 à 15% de marge de manœuvre sur le budget estimatif, ça me paraît raisonnable pour pallier à cette hausse. Alors vous comprendrez que la situation est compliquée parce que d'un côté il n'y a jamais eu autant d'opportunités avec les passoires thermiques qui sont mises en vente, mais de l'autre les coûts de la rénovation augmentent fortement. Donc c'est pas facile les amis, c'est pas la période la plus simple, mais c'est pas impossible pour autant. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes impacté, c'est le cas de tout le monde aujourd'hui. Et donc voilà, dans une négociation, bah, n'hésitez pas à négocier un peu plus. Pour avoir des prix à la baisse, pour que vous restiez rentable, d'autant plus que le marché est en train, semble-t-il, de se retourner, les acheteurs reprennent la main. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les investisseurs. Dernière recommandation, moi aussi, plus que jamais, soyez flexible. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à écumer les magasins, à vous rabattre peut-être sur des choses qui sont en stock, sur des fins de série, sur du déstockage, sur des choses qui vont être à prix un petit peu cassées. Vous pouvez aussi potentiellement peut-être descendre d'un niveau sur la gamme, ça ne veut pas dire descendre en qualité, mais voilà, il va falloir jongler. J'ai pas de baguette magique pour vous, mais c'est mon retour d'expérience d'investisseur. Je pense pas que ce soit prêt de se calmer dans l'immédiat, ça se calmera peut-être le jour où tout simplement on ne pourra plus faire les travaux de rénovation parce que ce sera trop cher, quoi. Mais voilà, n'arrêtez pas les choses pour autant, simplement. Soyez flexible, anticipez. Moi, j'ai pas hésité à switcher d'une référence de parquet à une autre, d'une référence de cuisine à une autre. Pareil, même des pénuries sur l'électroménager, j'ai switché de four, de plaque. Enfin, voilà. Il faut pas hésiter et être plus que jamais à l'affût des bons plans parce que il y a beau avoir pénurie, il y a beau y avoir une hausse des coûts. Les entreprises continuent néanmoins à faire des offres intéressantes donc avec des marges réduites pour elles, mais c'est à nous d'en profiter. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la situation par rapport aux travaux de rénovation. Vous savez tout. Je vous dis à dimanche prochain 17h pour une prochaine vidéo. Ciao.